qui brûle sur le bitume. 3-17 sur le compteur. I'm as empty as the house in your wheel. Baby boy, you're screaming, and my heart is losing feeling. Yo, what's up people? Bienvenue à Mamakosa, c'est ici que ça se passe. Voilà, resto QG de la culture afrodescendante. À partir d'une certaine heure, on dirait un peu une boîte très, très huppée et très classe, avec l'élite. Ça, donc venez, ça va se passer ici. Mais on est dans le biz avec le frérot. Et ici, ouais, ouais, ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il y a 3 ans en arrière, j'avais fait un vlog avec lui. Est-ce que vous vous rappelez, les mecs? Il y a 3 ans, bah, il était là lui aussi. Ouais, la soirée mortelle. La soirée, gros. Il y a 3 ans, je vous avais dit que j'avais grandi avec lui. On était dans le même internat il y a 3 ans, les mecs. Dinguerie de le voir. De la colle. En toi, il a fait son chemin, t'as vu? MDR, toi. Venez follow sur TikTok et Instagram. Loukoula. Commence à avoir une page YouTube aussi. Ça serait plus intéressant. Ça serait Loukoula aussi. Touffe ta chaîne YouTube. Je sais pas, je pose des vidéos régulièrement. Tu fais quoi? De la danse, un peu d'humour avec mon coup. Ouais, on a une soirée, de base, je devais même pas être là. Je devais pas être là, mais je connais des personnes, donc ça va. Là, il y a un fou, là, juste ici, qui danse. En fait, il a pas d'amis, du coup, il traîne avec des gens. Genre, par exemple, moi, il me dit jamais bonjour, mais là, je sais pas pourquoi il me parle, parce que c'est les solos. Non, en gros, il y avait une tension. En fait, il y a une tension entre nous deux. Il y a pas de tension. Mais elle va jamais vous le gérer en live, là, comme ça. Mais il y a pas de tension. Pas de tension. Moi, je suis pas énervé. Hein. Juste, il dit pas bonjour. En fait, il y a une tension. On se connaît. Parce que je me rappelle un jour, j'étais parti à une soirée. Je faisais la queue comme tout le monde. On s'est vu, elle n'a pas calculé, hein. Elle a fait son chemin. Après, elle dit, ouais, c'est moi qui lui parle, qui lui dit pas bonjour. D'accord, ok. Non mais avant je me dis pas bonjour enfin. Parce que tu me dis pas bonjour. Mais c'est logique. Mais moi je suis sur le croise de regard, mais je peux te sourire. Alors toi je fais comme si on se connaissait pas. Si. On a toujours fait comme si on se connaissait. On s'est toujours parlé. Non, on s'est pas toujours parlé normalement. On s'est déjà parlé. C'est toi qui fais genre Non, bah en tout cas non, je suis pas. Ça je dis, il y a une tension. Il y a une tension entre nous deux. Mais au calme, au calme. En tout cas je pense que dans la vie il y a ni méchant ni gentil. Dans quelle case? Gentille ou méchante? Moi je suis gentille. Moi je suis quoi? Je suis gentille ou je suis méchante? Moi je suis méchante. Bah après, peut-être dans la vie personnelle, genre quand on connaît profondément, t'es gentil. Voilà. Alors que moi, je suis gentille, genre tout le monde. À chaque fois les gens disent je suis gentille, j'ai même pas de haters. Tu reposes ça sur quoi pour dire que je suis méchant? Non mais quand je dis méchant, en vrai t'es méchant, mais genre. Bon, chose promise, chose due les gars, je commence les daily vlogs et ma journée commence avec, ouais, ça me fait chier de parler, ça me fait chier de dire ça, mais ma journée commence avec du sport. Je me lève à 8h, enfin il est 8h actuellement et je me... c'est trop chiant, il est 8h actuellement les gars et je m'apprête à faire un run. Ma pote a allé boxer. Je vais pas vous mentir, le réveil a été difficile, je suis fatigué. Donc là, je parle vraiment avec les quelques connaissances, voilà, que j'ai en tête là tout de suite. Je parle avec mes connaissances.
Mais bon, heureusement que j'ai un petit scooter électrique pour aller à la salle. Ça fait que je me déplace très rapidement. Ouais, je suis presque nu, à poil. Mais voilà. J'ai pris mes paires récemment aussi. Je les ai déjà testées, elles sont super bien. Voilà. Elles coûtent par contre 300 balles, c'est sûr. Ouais, c'est un prix quoi. Mais pour le confort que c'est, en vrai de vrai, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc voilà, on se retrouve à la salle tout à l'heure. Allez.
Bon les gars, vous allez rigoler. Ouais, c'est ma nouvelle caméra et du coup l'objectif c'est un 30 mm. Donc ça veut dire qu'en fait ça crop de fou dans l'image. Donc là vous me voyez de super près. La qualité est super bonne. Ok, vous voulez pas. Dès que je vais sortir, je vais essayer de vraiment avoir une meilleure distance. Mais là comme je suis en voiture, c'est un peu chaud. Donc comme vous le savez les mecs, tout à l'heure j'étais au sport. J'ai fait une énorme sieste parce que j'étais KO, j'arrive même plus à bouger. Ouais, quand c'est tôt comme ça, je suis obligé de faire une sieste. Et bah là, du coup, là, je suis en direction de chez mon tatoueur, quoi. Chez mon tatoueur. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais je vais me tatouer aujourd'hui. Voilà, c'était le but un peu du vlog aussi. C'est que cette journée-là, c'est le tatouage, donc je vais faire mon bras gauche. Et j'avoue que le croquis qu'il m'a fait, il est vraiment pas mal. Faut pas vous mentir. Donc hâte de voir ça en vrai et hâte de voir ça aussi sur mon bras pour voir ce que ça donne. Hein. On va voir les mecs, on va voir. Donc à tout à l'heure. Actuellement, je suis avec mon gars Snook. Snook est en train de faire mon petit tatouage. On va commencer par l'avant-bras, okay, parce que ça va durer un bon moment. Ça va prendre combien de temps, hein, Snook? Bon, 2-3 heures, on va dire. 2-3 heures? Ouais. Donc voilà, 2-3 heures. Ouais, je pense que ça va le faire. En fonction des pauses, hein. Si t'as mal. Non, ça va. Quand... Regarde, j'ai quand même un tatouage sur le torse, t'as vu? J'ai envie de te dire, ouais, j'ai supporté, tu vois. Je pense que le bras, c'est moins de gros. Non, ça va, le bras, franchement, regarde, j'ai les deux bras. Ouais. Moi, j'ai peur des aiguilles. De base, on était sur un petit croquis que j'avais fait de moi-même, etc., etc. Et on est parti sur un truc beaucoup plus avancé. Ouais, niveau structure, c'est beaucoup plus avancé, donc c'est super intéressant. Quand même, envoyé la photo, car moi, j'étais hype de fou. Donc voilà. Là, on est encore sur le traçage. Et par la suite, les mecs. Ouais. Et par la suite, les mecs, on va commencer, hein, j'allais vous dire. On va commencer tranquillement. Tu fais quoi comme boxe? Anglaise. Boxe française, j'aime pas. Boxe, j'aime pas. J'aime pas tout ce qui est avec les pieds. Donc. Ah ouais? Je trouve que c'est plus technique la boxe anglaise. Donc en fait c'est nul en fait de parler à quelqu'un. Comparé à Kara qui arrive à surenchérir. Ça dit quoi Dadza? Je vous ai amené des trucs pour orienter. T'étais passé où gros? Au moment où tu nous as appelé, t'as disparu gros, t'as plus. En fait je vous ai amené ça. Mehdi, il n'y en avait plus. Mehdi, il n'y en avait plus. Est-ce que j'en ai? Ah. Et ça, j'ai amené ça pour Ramadan. T'es sérieux? Ouais. Tu fais Ramadan, gros? Elles sont nues, les gros. Ouais. Non, je fais pas. Ah, j'ai pris ça pour moi, sportif. Et c'est tout? En fait, t'as pris ton goûter, toi. Non, c'est trop bon. Ouais. Ouais, c'est trop bon. Ouais. Par contre, tu jamais qu'on arrivait à la gitane, là, tu es là, tu. Ça dit quoi vous refaire ou quoi? Ah ouais c'est propre hein. Tu vois rien tu me dis c'est propre. Ouais, c'est vrai. Un tweet de Kendrick datant de 2012, soit durant la fameuse tournée où il disait bel et bien qu'il était à Los Angeles avec Drake, soit dans sa propre vie. Donc ça confirme bel et bien ce que disait Drake. Voilà, première partie originale. Première partie les mecs. C'est incroyable. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, ici, j'ai de la place. Mais je savais pas en fait que j'avais de la place là. Donc je vais devoir réfléchir à quelque chose. Mais incroyable. Et ne dérangez pas vous-même, dites-moi en commentaire comment. Dites-moi en commentaire les mecs. Si ça vous plaît. Clairement qu'il a bien connu les artistes et que si le jeu avec eux, c'est simplement des préférences.